Alors le terme de personne en déplacement est un terme qui est beaucoup plus générique et beaucoup plus large que les migrants, parce qu'en fait, dans la réalité, on est dans un monde dans lequel tout le monde se déplace. Mais par ce terme de personne en déplacement, on a voulu montrer que ça concerne au fond tous les individus, quels qu'ils soient. On a bien sûr des migrants, des demandeurs d'asile, mais aussi des personnes qui, à l'heure actuelle, n'ont plus de patrie, sont ce qu'on appelle des apatrides, qui ont perdu leur nationalité. Et puis ça concerne également les personnes qui sont, et c'est sans doute le plus grand nombre, des déplacés internes, des personnes qui en fait ne quittent pas leur propre pays, mais sont pour des raisons de violence politique, de changement climatique, de guerre, ou d'autres formes d'attaques, obligées de quitter une partie du territoire dans lequel elles vivent et donc d'aller se réfugier dans une autre partie du territoire. Ce sont les personnes qu'on appelle les déplacés internes. Et au fond, les problèmes que j'ai voulu montrer dans le rapport sont des problèmes qui concernent pas seulement une catégorie, mais l'ensemble de ces personnes qui sont en situation de mouvement. Et c'est pour ça que j'ai voulu avoir une expression assez large du terme de personnes en mouvement. Si j'ai voulu consacrer le rapport de cette année à la question des personnes en mouvement, people on the move, comme on dit en anglais, c'est d'abord parce que j'ai rencontré beaucoup de défenseurs des personnes qui sont en mouvement. D'abord dans des missions à l'étranger, récemment donc en Hongrie, où j'étais à la frontière avec la Serbie, confronté à l'entrée massive de migrants en Europe qui tentaient de franchir les barrières, et à une violence extrême à l'encontre des migrants, mais aussi à l'encontre de ceux qui essayaient de protéger ou de promouvoir les droits des défenseurs, des droits des migrants. Et encore plus récemment, et c'est un rapport qui a été présenté au Conseil des droits de l'homme en Australie, pardon, où là j'ai été confronté à la question des demandeurs d'asile et des migrants, au fond, en Australie, qui sont relégués dans des eaux internationales, dans des îles à côté de l'Australie, dans lesquelles ils n'ont pas le droit de bouger, où ils sont au fond enfermés dans l'attente hypothétique d'être admis un jour à faire valoir leur séjour en Australie. Et ce qui m'a frappé, notamment en Australie, c'est le fait que non seulement les migrants sont l'objet de violences extrêmes, mais également ceux qui sont les défenseurs des migrants, les travailleurs sociaux, les éducateurs, ceux qui essayent d'aider les migrants dans ces îles de Nauru et de Nouvelle-Guinée, eh bien sont l'objet de nombreuses attaques de la part du gouvernement et de la part des médias. Ce qui m'a frappé, c'est la violence également judiciaire, puisqu'en fait, ces défenseurs sont criminalisés. Ils sont à l'heure actuelle menacés d'une peine de 2 ans de prison s'ils venaient à révéler ce qui se passe au fond dans les camps, de telle sorte qu'une chape de plomb pèse sur les camps de réfugiés et de déplacés en Australie. Et puis dans les consultations que j'ai pu faire sur le terrain, dans de nombreux pays, j'ai été confronté également à la même demande. Au fond, nous sommes menacés parce que nous défendons ceux qui sont les plus fragiles. Protégez-nous, essayez de faire comprendre le message de la nécessité de protéger ceux qui défendent les droits des migrants. Et le message principal que je retiens de ce rapport, c'est d'abord la demande faite par les migrants eux-mêmes et par leurs défenseurs de changer l'image que les défenseurs des droits des migrants ont à l'heure actuelle. Face à des campagnes de stigmatisation, de menaces de la part des dirigeants politiques, de la part de médias dans de nombreux pays, au fond leur image se détériore et donc la sympathie de la population à l'endroit des migrants et donc de leurs défenseurs est en train de diminuer. Et le principal message de ce rapport est d'essayer de faire comprendre à quel point ces migrants et donc ceux qui les défendent ont besoin d'une protection accrue de la part de la communauté internationale. Ce rapport est d'abord destiné aux États, bien sûr, puisque c'est l'objet d'une demande qui fait sens au sein du Conseil des droits de l'homme et de l'Assemblée générale des Nations Unies pour entamer une réflexion internationale sur la question des défenseurs des droits des migrants. Mais bien évidemment, le rapport est aussi adressé et destiné aux migrants eux-mêmes et à leurs défenseurs. Et l'idée, c'est que ce rapport leur serve également d'outils pour faire du plaidoyer, qu'ils puissent reprendre certaines des recommandations en s'adressant ensuite à la communauté internationale, à leur propre État ou bien aux Nations Unies pour leur dire « voilà ce que sont les recommandations du rapporteur spécial des Nations Unies ». Ce n'est pas nous qui demandons ceci, c'est le rapporteur spécial qui vous le demande et nous faisons le relais, le porte-parole du rapporteur. Et tous les rapports que j'ai écrits sont conçus de la même manière, avec l'idée qu'une version plus grand public permette aux défenseurs de se saisir du contenu du rapport, de ses recommandations, et d'en faire un véritable outil, leur permettant ensuite de faire du plaidoyer et donc d'obtenir des résultats concrets pour la situation dans leur propre pays.